l'enseignement parce que je crois que depuis que je suis au lycée, je donne des cours particuliers parce que j'adore ça. J'aime bien expliquer, j'aime bien adapter mon discours. J'aime bien aussi parler de l'essentiel et donner mon point de vue aussi. Donc en diététique, c'est bien approprié. La prise en charge du sportif est particulière d'abord parce qu'il faut prendre conscience qu'on est face à un individu qui est prêt à mettre en place beaucoup de choses pour sa performance. On n'a pas à le tirer, donc d'un point de vue des modalités, la prise en charge du sportif est beaucoup plus simple. En revanche, sur le plan des applications nutritionnelles, on a besoin de vraiment s'appuyer sur la biochimie, sur la pratique du sportif, sur l'environnement de la pratique sportive pour pouvoir adapter ses recommandations. Alors, j'ai fait un stage dans un institut de beauté où j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des problèmes de surpoids, qui avaient fait des opérations, qui avaient donc perdu 50-70 kilos et qui avaient du mal derrière à retrouver leur image, à reprendre confiance en eux, à retrouver les bons vêtements, etc. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire conseiller en image pour pouvoir justement les conseiller sur tout cet aspect, reprise de confiance en soi, travail sur la morphologie, sur les vêtements qu'il faut adapter en fonction de si on a un petit peu de ventre ou si plutôt on a un petit peu de fesses. Donc voilà, dans tous les cas, s'adapter.